Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous montre les derniers dessins que j'ai faits. Cette fois, ce sont les 15 derniers dessins que j'ai faits. On commence par une illusion d'optique, c'est un escalier qui rentre dans la feuille. Voilà, petit effet. Donc je l'ai fait le 13 juillet 2020. Et il a dû me prendre une quinzaine de minutes. Et donc à partir de là, vous avez choisi le thème perspective. On continue avec un dessin de perspective, sûrement le meilleur que j'ai fait. C'est un bâtiment, on voit aussi le passage de piétons et une canette de coca. Et quelques herbes et cailloux. Je l'ai fait le 15 juillet et il a dû me prendre une heure. On continue avec encore un dessin de perspective, donc c'est une pièce. On peut apercevoir deux fenêtres qui ont une vue sur la mer. On peut aussi voir un cahier et des fleurs dans un vase sur une table. Et au-dessus, une lampe. Je l'ai fait le 30 juillet 2020 et il a dû me prendre une petite heure. Et là, c'est sûrement l'un de mes meilleurs dessins. Donc, il y a du perspective, il y a de la couleur. Au centre, on peut apercevoir une maison moderne en perspective, ainsi qu'une piscine et un jardin. En arrière-plan, on peut voir des montagnes et des sapins. Je l'ai fait le 1er août 2020 et il a dû me prendre 2 heures. On continue avec le thème Pixel One Piece. Donc là, c'est le logo de One Piece. Je l'ai fait le 3 août 2020 et il a dû me prendre 3 quarts d'heure. Donc là, j'ai décidé de faire tout l'équipage de Chapeau de Paille. Et j'ai commencé par le capitaine, Monkey D. Luffy. Je l'ai fait le 4 août 2020, il a dû me prendre 3 quarts d'heure. On continue avec Roronoa Zoro. Il est dans le top 4 des meilleurs pixels que j'ai fait. Et je l'ai donc fait le 7 août 2020. Et il a dû me prendre 1 heure. On continue avec Nami, la navigatrice de l'équipage de Chapeau de Paille. Je l'ai fait le 10 août 2020. Et il a dû me prendre 3 quarts d'heure. On continue avec Usopp, le tireur d'élite de l'équipage de Chapeau de Paille. Cette fois, c'est le top 1 de mes meilleurs pixels. Je l'ai fait le 12 août 2020 et il a dû me prendre 1 heure. On continue avec Vince Mock Sanji ou la jambe noire. Je l'ai fait le 13 août 2020 et il a dû me prendre 3 quarts d'heure. On continue avec Tony Chopper, le médecin de bord de l'équipage du Chapeau de Paille. Je l'ai fait le 15 août 2020 et il a dû me prendre 3 quarts d'heure. On continue avec Franky, le charpentier de bord de l'équipage du Chapeau de Paille. Cette fois, c'est le top 3 des meilleurs pixels que j'ai fait. Je l'ai donc fait le 16 août 2020 et il a dû me prendre 1 heure. On continue avec Brook, le musicien de bord de l'équipage du Chapeau de Paille. Cette fois, c'est le top 2. Je l'ai fait le 17 août 2020 et il a dû me prendre 1 heure. Maintenant, c'est au tour du dernier thème que vous avez choisi, donc illusion d'optique. Et pour commencer, j'avais décidé de faire 3 formes impossibles. Donc il y a le triangle impossible, le plus connu, le l'ovale impossible et le carré impossible. Et je les ai faits le 20 août 2020 et ils ont dû me prendre 1 heure et demie. On continue avec une autre illusion d'optique, le dernier dessin que j'ai fait. Et si on se met dans un bon angle, on peut apercevoir une échelle qui rentre dans un trou. Et voilà, c'est tout pour les 15 derniers dessins que j'ai faits. Et n'hésitez pas à voir les vidéos où je vous montre comment je les ai faits sur ma chaîne YouTube.
Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. S'il vous a plu, s'il vous plaît, faites un retour du dessin, vous abonner pour m'encourager et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.